Oh, ok. Et coucou tout le monde, c'est Sven et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo annonce sur la map de The Lord of the Cube. Ça sera une vidéo annonce mais pour la chaîne Qu'en est-il du sucre au globale. petit déjeuner? Je vais m'éloigner par contre du village Hobbit parce que avec les qu'en est-il du second petit déjeuner, Qu'en est-il du ça sucre? va me gaver assez rapidement. Je vais juste aller chercher de la bouffe. Je vais. Hop, voilà. Cette petite vidéo annonce va vous dire quelques renseignements sur l'avenir de notre, enfin de notre chaîne, oui, puisque c'est pas uniquement ma chaîne, c'est Morfondé, la est chaîne de vous particulièrement savoureux. aussi. Alors, tout d'abord, je vais reparler des séries Qu'en est-il qui du petit ont déjeuner? été présentes et des séries qui vont se mettre en place. Donc tout d'abord, je vais reparler vite fait de Minecraft History. Donc vous savez, Minecraft History est en pause actuellement parce que j'arrive pas à avancer dessus. Mon programme pour modifier ma voix ne veut absolument pas se. Enfin, j'arrive pas à le réinstaller sur mon ordi. Depuis mon backup du mois de novembre, j'avais eu un virus, j'avais dû tout supprimer. Et depuis, je n'y arrive pas à le réinstaller. Donc je travaille toujours dessus. J'écris les épisodes en avance. Je suis actuellement. On était à l'épisode 7, je suis actuellement à l'épisode 11 en train de l'écrire. Donc vous voyez, j'ai quand même avancé entre-temps. Mais elle reviendra dès que je peux, les amis. Par contre, j'ai des drops, enfin des petits lags, je sais pas d'où ça vient. En attendant. Sinon, donc vous savez que cette vidéo est toujours d'actu... Enfin, cette série est toujours d'actualité, mais pour le moment... je ne peux pas avancer dessus. Quoi d'autre également? Nous avons commencé. Oui, il y a un grizzly, on va le tuer ensemble. Aïe. Ah, concentration. Nous avons commencé la série The Lord of the Cube, celle-ci actuellement. Et elle se présente plutôt bien. Vous avez l'air d'apprécier pas mal. Donc je vous en remercie de l'accueil que vous lui avez apporté à cette petite série. À cette petite série, c'est un petit peu à l'image de Jurassic Craft en fait, l'image d'une série Minecraft modée avec les mods que j'ai envie d'installer. Donc notamment basée sur le Seigneur des Anneaux. Donc ça je vous remercie. Celle-là elle va continuer, enfin elle va toujours, elle va continuer. Vous inquiétez pas. Et on a Lego. J'ai des petits problèmes de lag, je sais pas pourquoi. Des Lego Marvel, voilà, qui est aussi en cours, qui va continuer également. Donc ça, c'est pas de problème. Ça a l'air d'une NPR qui apprécie, puisqu'il y a toujours pas mal de vues sur ces vidéos-là. Et je vous en remercie. Et c'est juste pour parler du format des vidéos qui va changer. Le format va changer, ça va être plus des vidéos de 25-30 minutes comme j'ai par habitude et par mauvaise habitude de faire, je dirais. On va passer à des formats de 10, enfin 10 minutes, qu'est-ce que je dis? 15 minutes. Je vais essayer de me cantonner à des vidéos de 15 minutes. Donc j'espère que ça va pas vous déranger, mais ça permettra de, si des personnes découvrent la chaîne, de pas forcément voir des vidéos de 30 minutes, parce que tout le monde n'a pas forcément l'occasion ni l'envie de regarder des vidéos de plus de 30, enfin d'une trentaine de minutes. Donc les vidéos se dérouleront entre 20, entre 15 et 20 minutes. 20 minutes, ça sera vraiment le grand maximum maintenant. Donc vous serez prévenus, j'essaierai de pas faire plus. Et si, par exemple, je fais un épisode de plus longtemps, je le rognerai, je mettrai un petit message de fin pour dire que, eh bien, c'est pas la fin de la vidéo, vous inquiétez pas, mais que j'ai dû rogner parce que c'était trop long. Et j'espère que vous comprendrez enfin, ma décision. Donc voilà, j'ai aussi à vous dire que le rythme des vidéos va changer. Vous vous souvenez, il y a presque un an de ça, j'essayais de mettre une vidéo par jour. Ça change. Là, maintenant, j'essaie de faire une vidéo tous les 2 jours. Donc, c'est-à-dire que, admettons, on prend le lundi. Le lundi, on aura une vidéo de The Lord of the Cube. Le mercredi, Lego Marvel. Le vendredi, The Lord of the Cube. Enfin, ça sera un jour sur deux, en fait, et une série sur deux, puisque j'ai deux séries actuelles, qui est, bah, comme vous l'avez compris, Marvel et The Lord of the Cube.
Donc on va essayer de rester sur ces deux séries-là. Et il y en a une troisième qui va arriver, enfin une mini-série comme je l'appellerais. Oh! Ok. Le big fail. Ouf. Le big fail en pleine vidéo. Donc voilà. J'avais pas prévu celle-là. Le big fail, et je vais essayer de faire vite fait un saut. Donc, en même temps, ça fait un mini épisode de The Lord of the Cube. Oh, le fail. Je vais récupérer mon stuff. Donc, je sais plus du tout où j'en étais là. Ouais, changement de rythme de vidéo qui sera un jour sur deux. Et la mini-série qui arrive qui sera une série sur la Cité des Sables, puisque je participe à une Cité des Sables en compagnie de Quentin. Et c'est Red qui l'organise. Red, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Qui est un très bon youtubeur, qui est au même niveau que moi, si vous voulez, au niveau ordre d'abonnés. Et qui a eu l'amabilité de m'inviter à cet événement. Donc c'est ici que je suis tombé. Et je vais juste essayer de récupérer un peu d'eau, ça peut être pas mal. Qui a eu l'amabilité de me convier à cet événement. Et j'ai accepté parce que moi j'ai toujours rêvé d'aller sur une Cité des Sables et voir comment ça se déroulait et comment je suis capable de me débrouiller. Donc on sera avec Quentin à deux, on fera équipe à deux, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui viendront avec nous. Tac tac tac. Hop, j'essaie de récupérer mon stuff. Voilà. Voilà. Donc c'est à peu près tout sur les nouveautés de la chaîne. Sur ce que vous voulez savoir les amis. Ça comme c'est neuf, je vais les garder. Tac. Tac 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 tac. Et donc ce sera à peu près tout sur ce que j'ai à vous dire sur la chaîne. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le rythme des vidéos va changer. J'ai oublié mon cheval là-haut, très intelligent de ma part. Est-ce que j'ai une torche? Même pas, j'ai même pas de torche. Mais j'ai de quoi m'en faire une. Voilà. Donc, vidéo, ce qu'il faut retenir absolument de cette vidéo, c'est que les vidéos feront de 15 à 20 minutes grand max. Que les vidéos vont sortir au rythme un petit peu plus régulier de un jour sur deux, donc vous savez un petit peu près, enfin à peu près quand venir regarder les séries qui vous intéressent, si vous regardez que The Lord of the Cube ou que si vous regardez Lego Marvel. La Cité des Sables qui se déroule à partir de la semaine prochaine, c'est du 18 février au début mars, si je dis pas de bêtises. Eh bien, il est où mon cheval? Allô, petit cheval. J'ai perdu mon cheval. Canasson! J'ai pas rêvé, j'avais bien un cheval avec une armure en diams, non? Et donc, la Cité des Sables qui se déroule à partir du 18 pendant 2 semaines, enfin si je dis pas de bêtises, c'est le 18, je ferai des vidéos et je les diffuserai la semaine d'après. Enfin, la semaine après la Cité des Sables. Je ferai une semaine consacrée à cette série. C'est peut-être, mon cheval est peut-être tombé. Non. Bah merde alors, j'ai perdu mon cheval. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de le retrouver. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc vous avez retenu, si vous avez d'autres questions dans les commentaires, vous pouvez... Enfin, si vous avez d'autres questions, pardon, vous pouvez les mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas compris quelque chose et si je me suis embrouillé, ce qui arrive assez fréquemment, bah il y a là mon cheval. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce nouveau rythme de diffusion vous plaira et que ça ne changera pas grand-chose à vos habitudes de venir voir mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous en remercie. On a actuellement 260 passés. Donc, continuez à venir, moi je suis toujours content. Surtout que si vous me laissez des commentaires, moi ça me fait toujours plaisir parce que j'aime bien voir que vous me suivez et que vous regardez bien mes vidéos. Et que je ne fais pas ça pour rien non plus, parce que c'est toujours agréable de voir que c'est un peu utile ce qu'on fait et que ça permet de détendre les personnes, enfin les gens qui viennent les regarder. Et donc voilà. Merci et à très vite pour un prochain épisode de mes séries. Allez, bye bye les amis.